Bonjour Thierry. Eh ben bonjour. Voilà. Hervé. Bonjour. Bonjour. Alors tu vas nous expliquer un peu le Team NL, ce qui est dans cette course Alpes-Isère Tour. Quel est votre rôle? Alors nous, notre rôle, il est très simple et en même temps très compliqué puisqu'on doit barrer les carrefours les plus importants de la course. C'est quand même, on pourrait dire, un rôle primordial pour cette course puisque vous êtes là pour assurer la sécurité des personnes. Ah, tout à fait, des coureurs et des personnes surtout. Et si on n'est pas là, il n'y a pas de course. Exactement. Quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est très dur, c'est très important. Alors il y a le moment de la course, c'est une chose, mais il y a tout un processus en amont. Ouais. C'est-à-dire les gens, il faut qu'on les prenne, qu'on les transporte, qu'on les amène au poste, qu'on les fasse manger, qu'on se dit. Et il y a plein de choses. Une gestion. Une gestion. Quand on est sur les postes, c'est la partie visible de l'iceberg. Ouais. D'accord. Ouais. Hervé, on part pas dans la course, on part en dehors de la course. On coupe. Ouais. Pour pas, on n'a pas le droit de doubler les coureurs. Ouais. On doit partir sur notre poste, sur notre poste suivant, avec des routes un petit peu secondaires. Et puis voilà, pour qu'on soit avant la course, ouais, on double la course, mais par un autre chemin. D'accord. Voilà. Alors, ça se passe, donc on a déjà tous les véhicules qui vont amener le personnel. Voilà. Voilà, qu'on pourrait dire. Donc, toutes voilà, aux couleurs de Alpes-Isère Tour. Voilà, c'est des minibus. Ouais. Donc, on a des partenaires. Là, les minibus, c'est Jeanlin. Ouais. Tout ce qui est véhicule léger, c'est CBM. Ouais, c'est bien. D'accord. Donc, avec ces partenaires, ils nous prêtent les véhicules. Et nous, on s'organise après pour pouvoir transporter nos bénévoles qui sont là pendant les 5 jours. Bon. Responsable des véhicules. Responsable, voilà, des véhicules. Responsable, voilà, des véhicules. Et voilà. Donc, là, vous êtes en direct d'un groupe situé du Nord-Isère. Donc, vous êtes suivi. Alors, bravo à tous les bénévoles, on nous dit sur l'écrit. Ouais. Hein. Madame, bonjour. Les paniers repas. Les paniers repas, donc voilà, on va retrouver. Donc chaque bénévole vient chercher leur panier repas. Voilà. Avec leur panier repas de la journée. Voilà. Et donc depuis 6h du matin, on fait des sandwichs. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Parce qu'on a 120 sandwichs à faire. Oh, ouais, et comme j'ai dit tout à l'heure, on s'occupe des civistes aussi. Ah ouais. Donc il faut leur faire à manger aussi les civistes. Bah bien sûr. Okay. Et puis voilà, on les transporte pas les civils, on leur fait quand même un manger. Ah, vous faites comme ils dépendent du Team Vanel, donc on leur fait à manger. Donc ils préparent tout, ils préparent à manger. Ouais. Voilà, ils nous mettent ça, c'est pour ça que dans la voiture, on a tout ce qu'il faut. Et puis au fur et à mesure qu'on arrive au poste, on leur donne à manger. Ah, bien. Voilà. Bien, très bien. Voilà. Mais bon, sans ces personnes-là, eh ben, on n'aurait pas de bénévoles. Eh ben oui, alors vous démarrez quelle heure? 6h du matin. 6h du matin. 6h30 du matin. Allez, hop, c'est parti pour préparer tout ça. Bah, dis donc, bravo. Donc voilà, voilà. Bravo. Dans une ambiance, on voit, c'est super l'ambiance, tout le monde se connaît, ouais, ça se fait la ville et le moment est bien partagé, hein, c'est vraiment génial. Ouais, tout à fait, et tous les matins c'est comme ça, ouais, tous les matins c'est comme ça. Bah, c'est parce que je peux vous dire que les bénévoles, ils en bavent tout au long de la journée parce que les gens sont très compliqués. Et quand on leur dit de 35 minutes, et ben, ils sont très énervés. Et ils nous disent qu'ils en ont marre du vélo, ils en ont marre de ci, ils en ont marre de là. Et voilà. C'est une belle fête parce que c'est le seul sport qui est gratuit et que oui, tout le monde peut venir voir. Exactement. Quand d'accord, on a vu hier l'arrivée avec les écoles, les voilà, écoles participent. D'accord. C'est et c'est gratuit. Ah ouais, c'est vrai. Partout c'est vous allez voir, vous allez à un match de foot, vous payez. Et oui. Alors d'accord, vous allez, et là, vous avez des chauffeurs, des véritables professionnels qui tournent. Ouais. D'accord, c'est ça. Donc, il faut en profiter. Il faut venir nombreux déjà dans les lignes d'arrivée, ouais, dans les villages d'arrivée. D'accord. Il faut venir nombreux tout au long de la route parce que bah, eh ben, on est là. Ça, voilà, exactement. Voilà. Parce que... Et c'est une vraie ouais, fête. Ouais, ouais, c'est une d'accord, vraie fête. Voilà. Bah, voilà. Merci. Merci à toi, Thierry. Bon, et bah, tout à l'heure alors. Et puis... Voilà, on essaye de remettre le panneau droit parce que ça peut être confusion. Donc,
Donc on est bien dans une descente, direction Valencogne. Et voilà, donc problème résolu, la flèche est bien tout droit. Donc explique, bah tiens, pendant que je explique-moi tes numéros là. Alors les numéros, là, les numéros que vous voyez sur la colonne de gauche, c'est les emplacements où on doit mettre des personnes pour assurer la sécurité dans les carrefours. Ouais, dans tous les carrefours. Dans tous les carrefours. Donc ils sont, c'est réparti pour ce qui est du Team Vanel. Donc c'est le toutes les lignes blanches, les lignes rouges, les lignes vertes. D'accord. Voilà. Après, ça c'est le club de Genas qui vient aider. Okay. Et puis il y a d'autres clubs aussi de cibistes. Ah oui. Là, la deuxième colonne, c'est les kilomètres parcourus. D'accord. D'accord. Et puis là, vous voyez aussi cette colonne. Ah, le nombre de personnes qui le nombre de personnes à chaque carrefour. D'accord. Okay. D'accord. Okay. Alors, on sait si on est à droite et gauche ou à gauche. Oui, d'accord. D'accord. Il y a même le sens de. Ouais. Et on doit être en place normalement une demi-heure avant. Voilà. D'accord. Donc, par exemple, là, on est à Blandin, 12h40 pour 13h12. Donc, d'accord. Il y a 32 donc, minutes avant. Il faut quelqu'un soit positionné. Voilà, qui bloque. D'accord, très bien. Ouais. Et là, quand ça avance doucement comme ça, les motos, c'est qu'ils sont pas loin. Voilà. Bon, bah, on va regarder ça. Bah, merci, Philippe. Avec grand plaisir. On continuera la route et puis on va pouvoir voir et suivre l'évolution. Bien sûr. Un qui est en train de lâcher sur la côte. Le mur Blandin. Voilà. Regardez, on va voir le quatrième qui vient d'être lâché. Allez, 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 bravo, bravo. Tranquille, tranquille, ça finit, tranquille. I think it's okay, you know, because fuck, it's still